Mustapha. Maman. T'inquiète pas, maman, je suis là. Mustapha. Ah oui, maman. Tu te sens bien? Écoute-moi. Si quelque chose t'arrivait, je mourrais. Maman, il n'y a rien qui puisse m'arriver. S'il te plaît, promets-moi que tu ne vas pas chercher d'ennui à ces gens. Mustapha, laisse-les ressasser leur ignoble péché, mon fils. Promets-moi, je t'en supplie. Tu dois me le promettre. Ne dis pas ça maintenant. Promets-le-moi. Je ne peux pas, maman. Non, je ne peux pas te promettre ça. Je t'en supplie, oublie tout ça, d'accord? Je ne peux pas te promettre une chose pareille, maman. J'ai trop de colère en moi et tu le sais très bien. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. Mustapha. Arrête donc de le supplier. Tu te fatigues pour rien. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il faut lui laisser avoir ce qu'il mérite après tout. Je ne peux pas te donner ma bénédiction. Je t'en prie, ne cherche pas d'ennui avec ces gens. Je ne te promets rien. J'ai oublié mon chargeur. Je vais nettoyer ici. Il reste des tas de bouts de verre dans ce coin-là. Ah. Ah. Allô, Kerim. Allô, Myriam. Je n'ai presque plus de batterie. Est-ce que ça va? Et toi, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. On est à Istanbul. Et avec qui tu es? La fille et moi. Et elle est avec toi maintenant? Où allez-vous dormir? On va dormir quelques nuits dans un hôtel. On va attendre que les autres arrivent. Est-ce que tu as de l'argent? Ouais. Et où tu l'as trouvé, dis-moi? J'en ai. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Je n'ai presque plus de batterie, Myriam. Je te rappelle bientôt, ok? Kerim? Allô? Il a raccroché. Il est à Istanbul, il est avec Fatma Gül. Ils sont dans un hôtel. C'est vraiment trop dur.
Je dois sortir. Tu entends? Je vais chercher un chargeur.